Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville. Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 19 février, la Sainte Église célèbre Saint Gonrac de Plaisance solitaire de 1290 à 1351. Écoutons la vie de Saint Gonrad, une vie de sanctification, de la grâce de Dieu, des ténèbres à la lumière. Gonrad naquit à Plaisance en 1290, de parents riches qui le marièrent et lui laissèrent à leur mort des biens considérables. Quoi qu'il eût des principes religieux, il se laissa aller aux vanités du monde. Un jour, à la chasse, ayant allumé un grand feu pour forcer quelques bêtes fauves à quitter son terrier, l'incendie se communiqua de proche en proche et Gonrad, après de vains efforts pour l'éteindre, s'enfuit, laissant la forêt à moitié consumée. Le dégât fut considérable. L'autorité se mit aussitôt à en rechercher l'auteur. Plusieurs personnes furent emprisonnées, entre autres un malheureux qu'on avait vu revenant de la forêt quelques heures avant l'incendie. Il nia d'abord avec fermeté, mais les juges, trompés par les apparences, l'ayant fait appliquer à la question, il avoua, vaincu par la douleur, tout ce qu'on voulut et il fut condamné à mort. Gonrad, déchiré par le remords, alla trouver les magistrats, leur avoua la vérité et offrit de payer le dommage occasionné par son imprudence. Sa proposition fut acceptée, mais pour la remplir, il fut obligé de vendre une partie de ses biens. Cet événement lui inspira la résolution de ne s'occuper que de son salut qu'il avait négligé jusqu'alors. Après avoir fait partager à son épouse les nouveaux sentiments qui l'animaient, il mit ordre à toutes ses affaires et ils partirent ensemble pour Rome. Gonrad entra dans le tiers ordre de Saint François et sa femme se fit carmélite. Après quelques temps de séjour à Rome, Gonrad se rendit en Sicile où il se dévoua au service des malades. Puis, entraîné par l'amour de la solitude, il gagna une haute montagne où il passa le reste de ses jours dans la pénitence et les austérités. Il mourut en 1351 à l'âge de 61 ans. Plusieurs miracles qu'il opéra après sa mort lui ont mérité les honneurs que l'Église rend aux saints. Saint Gonrad, une conversion remarquable pour le Seigneur. À tous ceux qui portent le prénom de Gonrad, nous vous souhaitons une belle fête patronale. Soyez saints comme votre saint patron. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
à tous et à chacun, fructueux temps de carême. À demain pour le Saint du jour. Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville.